Le Comité de développement du Cameroun, en abrégé CDC, est une association à but non lucratif créée en 2010 à Courtrai, en Belgique, par un Camerounais ambitieux et soucieux d'apporter un peu de sa contribution afin d'aider à nettoyer toute la sueur qui a jalonné et meublé sa jeunesse. Soucieux d'offrir un environnement plus crédible aux jeunes, il va mettre à contribution son savoir-faire, son expérience pour la création du CDC. L'homme camerounais ou l'homme africain, on a un problème de mentalité, bon, puisque bon, d'autres ont passé par là avant. Mais sinon, il y a d'abord un autre problème que j'ai essayé, même au Cameroun la fois dernière. J'ai rassemblé les jeunes étudiants de Yaoundé, Consamba, Bafan, Douala, Nkumba. On s'est regroupés à Douala même. On a fait une semaine de travail sur la révolution mentale. Donc, à travers la révolution mentale, c'est-à-dire le changement de mentalité, le comportement, la discrimination, la jalousie, la haine. Donc, on essaie de travailler ensemble pour l'intérêt de tous. Je dis que ma cible, c'est la jeunesse. J'ai ciblé la jeunesse et je devais travailler avec la jeunesse. En tant que Camerounais, j'ai grandi là-bas et il faut vraiment qu'on change cette mentalité pour pouvoir essayer d'évoluer. Sa vision est basée sur le long terme, à savoir un appel au changement de mentalité par la lutte contre l'individualisme, le tribalisme, la corruption, l'égoïsme, le commérage, la haine et bien d'autres fléaux qui minent notre société, seul gage du développement des jeunes, fer de lance de la nation. Le CDC a pour but principal de subvenir aux besoins des Camerounais, tant sur le plan social, éducationnel, moral et professionnel. Une manière de lutter contre le tribalisme, bah, quand il y a un comité de développement de tel village, c'est déjà tribalisme. Mais quand il y a un comité de développement du Cameroun, ça concerne tous les Camerounais. Donc là, c'est pour bannir, éradiquer directement le tribalisme, pour unir nos forces pour l'émergence de notre pays. Fidèle à sa devise, ensemble nous pouvons, ou en anglais, together we can, et en néerlandais, samen kunnen we, le président du conseil d'administration, Victor Carmeni, s'est très tôt entouré d'une équipe jeune, forte et dynamique, d'environ 10 000 sympathisants, regroupés dans cette antenne, répartis dans tout le Cameroun. Confiant de ses acquis, il a inscrit une politique de financement basée sur la récolte des fonds et de matériel auprès des organismes internationaux, nationaux et toute personne désireuse de contribuer à la construction d'une jeunesse camerounaise plus forte. Comme a dit le président de la République camerounaise, tous les Camerounais doivent se battre, œuvrer pour participer à la construction du pays et à travers pour propulser le pays vers l'émergence. Et le fait que son excellence arrive ici soutenir ce projet de coopération entre le CDC et AZ pour le bien-être et la santé des Camerounais, c'était vraiment un grand plaisir. Ce qui était le plus important, c'est la signature de la convention aujourd'hui, qui est maintenant le démarrage concret du projet. Donc, actuellement, maintenant, les médecins camerounais, s'ils veulent se former à AZ, tout peut se faire. S'il y a des cas graves de maladie là-bas, on peut les évacuer ici. C'était justement la signature de la convention, puisque c'est tellement bénéfique pour la population camerounaise. Ouais. En 5 ans d'existence, le CDC dresse un bilan plutôt élogieux. Certaines indiscrétions dans nos ministères parlent même d'un succès atypique, car d'autres associations du même registre n'ont pu réaliser ces objectifs en 20 années d'existence. La magie, la vraie magie, c'est le travail, voilà. Le travail. Qu'est-ce qui rend le CDC différent des autres? La réponse réside dans sa vision, ses objectifs nobles, et son approche. Moins de place au beau discours, plus de pragmatisme sur le terrain, démontré ainsi par la première mission d'expertise sanitaire du complexe hospitalier AZ Groningen-Kortrijk du 4 au 10 janvier 2013
représentée par M. Jean Deleu, le directeur général, et Dr. Jean Taverne, le responsable de la coopération, pour évaluer le défi à relever pour la santé des Camerounais. Nous, on a des règles qui sont beaucoup plus strictes et eux, ils ont l'intention de communiquer, en fait, donc, le changement de mentalité et un début de changement d'action. Nos œuvres sont directes, donc ça part directement à la source. Donc quand il y a des sollicitations, par exemple, nous envoyons sur le terrain, ils constatent les dégâts, ils me font le rapport, et nous regardons maintenant si l'école ou l'hôpital est sur le critère. Ben, nous travaillons avec des campagnes et des villages, donc pour faciliter le développement. Dans ces objectifs, le comité de développement du Cameroun met l'accent sur l'éducation des jeunes Camerounais à travers son programme Éducation pour tous. Ça, dans un premier temps, c'est les jeunesse, fait de lance de la nation, on les interpelle maintenant à jouer leur rôle demain. Puisque nous sommes appelés à partir et ces jeunesses sont appelées à nous remplacer. Et pour nous remplacer maintenant, ils doivent travailler pour le mériter. Travailler maintenant et conduire maintenant le pays vers l'émergence. Et pour atteindre maintenant cette émergence, ça passe d'abord par notre hymne national. L'émergence, pour les atteindre, nous allons parler maintenant de l'émergence éducative, qui est l'éducation. Autrement dit, le changement de mentalité. En parlant de cette éducation, il y a la lutte contre la corruption, le tribalisme, la haine, le mensonge, bref, tout ce mot maintenant qui mine notre société. Parce que je vais vous dire, par exemple, il n'y a pas de crise économique au Cameroun, mais il y a plutôt une crise de mentalité. Raison pour laquelle nous devons interpeller les jeunes, en passant par l'hymne national. L'hymne national qui nous rassemble tous. L'amour, sa patrie. Et si un jeune comprend ce que c'est que l'hymne national, il ne peut pas envier l'autre. Il ne peut pas faire du tribalisme. Parce qu'il doit aimer. S'il vient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, on sait que nous sommes les enfants d'une même nation, d'une même patrie. Raison pour laquelle nous avons interpellé les jeunes. J'ai même imprimé, j'ai donné aux proviseurs, d'essayer de décortiquer l'hymne national aux jeunes. Pour qu'ils sachent qu'ils doivent vivre ensemble. Et ensemble, nous pouvons conduire le pays vers l'émergence. C'est ainsi que des dons de fournitures scolaires, du matériel didactique et du matériel informatique ont été offerts au CES de Basse, à l'école publique de Manga dans la région de l'Ouest Cameroun, au groupe scolaire Les Petits Anges de Bankomo, à l'école publique d'Omende Pabokito dans l'arrondissement du Bamé-Inoubou, région du centre, au lycée de Kalfou dans la région de l'extrême nord. Les frères qui vivent en Belgique sont venus nous apporter un soutien, surtout dans le domaine de l'éducation, surtout précisément aussi au lycée de Kalfou. Et à ce moment, je profite de l'occasion pour les remercier et inviter en même temps mes camarades de faire de la même, de travailler pour parvenir demain à les remplacer, eux aussi qui viennent nous assister. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu autant de dons, parce que c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc j'espère qu'avec ce matériel qu'on nous a donné aujourd'hui, et les parents, les enseignants et les élèves pourront vraiment faire de cela bon usage de ce matériel. Vraiment. Je suis émue. Wow, my questions after this is, for example, I want is to encourage also the children in our school, because
Some of them, they are lack of textbooks, and I just thank the use of the CC, can I say, for the encouragement for the children, because it's very pleasing to see people today, and I like the way you presented a gift to the children, because it will help the children also from one thing to another. Because there are some parents that do not even have the opportunity to for books, to offer books to their children. So I want to say thank you. Dans le volet Santé pour tous, le Comité de développement du Cameroun et son partenaire AZ Groninger Cottrich ont équipé en matériel médical de pointe l'hôpital de district de Banja dans la région de l'Ouest Cameroun et l'hôpital de Kalfou dans la région de l'extrême nord. Pour assurer la santé et le bien-être des populations, un forage à motricité humaine a été construit et offert gracieusement aux populations de Banja en 2012, avec le soutien de la ville de Koutré. Autorités ici présentes, distingués invités, nous sommes tous contents de ce don, j'en suis sûr. Mais comment allons-nous donc encourager nos donateurs si nous ne pouvons pas entretenir ces ouvrages? Cet ouvrage, je vous l'ai dit, après la rétrocession. Afin que le pour le bonheur de Bawa et l'arrondissement de Banja. Un autre forage à énergie solaire, cette fois-ci, a été construit et offert gracieusement à l'hôpital de district de Banja avec l'appui de la province West Landeren, de la ville de Koutré, du complexe hospitalier AZ Groninger Cottrich, de l'ONG Memisa, de la ville de Banja, des élites et forces vives du groupement Banja. Mes encouragements à cette ONG CDC, à la tête son PCA, le président Kamali Victor, en partenariat avec les Belges. Vraiment, les œuvres sont tellement très très importantes pour la communauté de Banja. L'eau qu'il nous a offert aujourd'hui, je pense que ça va solidifier les relations entre la Belgique et le Cameroun. Je suis très content parce que je vois, et ça m'a frappé sincèrement, une différence entre l'année passée et l'ambiance maintenant. Et je vois que, étant donné nos matériels, étant le fait que maintenant on a de l'eau à l'hôpital, c'est un changement de noir à blanc, donc c'est ça qui m'a bien plu et qui me donne du courage à continuer bien. Oui, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Un hôpital aujourd'hui au 21e siècle sans eau, vraiment c'est douloureux. C'est que ce geste, si toute la population de Banja, toutes les populations environnantes pouvaient soutenir le projet, ensemble nous pouvons élargir plus pour le bien-être de la population de Banja et du Cameroun en général. À nos jours, le CDC compte à son actif plusieurs réalisations concrètes et visibles sur l'étendue du territoire camerounais dans des domaines variés, ce qui fait de cette association
l'interlocuteur privilégié des partenaires européens pour le développement du Cameroun. Cette confiance m'a permis de relever encore pour la santé de tous les Camerounais un projet qui coûte cher au CDC et au gouvernement du renouveau. C'est donc le partenariat que nous célébrons ce jour à Coutré, partenariat entre le comité de développement du Cameroun et le complexe hospitalier AZ-Fundgen. Donc, voici les principaux objectifs. Cela s'est démontré à suffisance lors de la première édition du Forum Cameroun émergent organisé en Belgique du 4 au 5 avril 2014 dans la ville de Coutré. La problématique empoignée ce jour était axée sur l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Quelle mission pour la diaspora? Comment le premier peut devenir le dernier? C'était inexplicable. Mais la raison est quand même là. Selon le CDC, le frein du développement en Afrique, c'est tout simplement nos diverses mentalités. C'est ainsi que le CDC prône pour un changement rigoureux de mentalité, autrement dit, une révolution mentale. Nous devons mettre nos savoir-faire, nos compétences au service de l'Afrique. Et il est temps, il est vraiment temps que chacun donne sa petite pierre pour le développement de notre continent. Ce grand rendez-vous a connu la présence des agriculteurs normands, ce qui a débouché à la signature d'une convention de partenariat le 16 mai 2015 avec le CDC après la visite de leurs exploitations agricoles en France. En 2016, d'autres réalisations sont envisagées, telles que la rénovation et l'équipement de la clinique La Renaissance à Bonaberry, qui sera transformée en mutuelle camerounaise de santé. L'équipement des hôpitaux et centres de santé ainsi que l'accompagnement multiforme dans le processus de développement des communes de Kalfou dans la région de l'extrême nord et de Bamendjou dans la région de l'ouest. Des conventions ont été signées à cet effet en présence des autorités administratives locales. Je puis déjà vous assurer que vous trouverez auprès de lui et à tout instant un interlocuteur répondant au canevas de votre organisme, à savoir une pleine et entière disponibilité et une volonté indécrochable à aller vers le progrès et le développement. Cela dit, monsieur le maire, une fois de plus, je peux que vous apporter mes encouragements à avoir toujours une vision proactive pour la commune de Bamendjou. Et cette occasion qui nous est offerte, vous n'avez pas le droit de laisser filer entre les pattes ce qui peut nous arranger dans les jours à venir. Maintenant, j'ai décidé d'octroyer, de mettre en disposition de CDC ma formation pour qu'ils puissent fonder cette émergence de 2035. Les démarches pour la signature des conventions de partenariat avec d'autres communes telles que Ebolova dans la région du sud, Yoko dans la région du centre et Deya dans la région du littoral sont encore en cours. Le tout sera couronné par l'organisation en partenariat avec le gouvernement camerounais de la deuxième édition du Forum Cameroun émergent en 2016 à Yaoundé sous le thème « Quelle stratégie pour la performance du passage à l'agriculture de seconde génération ?» L'apport du CDC. Ce forum permettra au CDC de trouver des solutions aux problèmes identifiés afin de réaliser les différents projets agricoles et agroalimentaires dans le but de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, la pauvreté, la famine, l'immigration clandestine, afin de financer d'autres projets tels que l'éducation pour tous à l'horizon 2020, la formation professionnelle en fonction de l'évolution de la technologie, la santé pour tous horizon 2025 et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 pour la réalisation du rêve camerounais tant souhaité par le CDC. Le continent africain regorge tous les maux du monde. Pourtant,
nous travaillons ensemble avec le monde. Également, les Africains en général, quand ils partent au travail, ils respectent l'heure. Mais quand eux-mêmes, ils organisent des événements, ils sont incapables de respecter l'heure. Ce qui est vraiment triste pour nous. L'exemple vaut mieux que la leçon. Une manière vraiment de prendre toutes nos responsabilités. Parce qu'au XXIe siècle, nous ne pouvons plus accuser l'ignorance. Parce qu'accuser l'ignorance et l'anacapitulation, c'est ignorer même ce que nous sommes. Ignorer que nous avons une civilisation et que nos ancêtres, nos grands-parents ont utilisé pour vaincre lors de l'indépendance, juste par leur savoir, juste par leur courage. Et aujourd'hui, ils nient nos forces pour le développement de l'Afrique. C'est impossible. Nous, chacun doit prendre sa responsabilité. Nous ne devons plus être des éternels demandeurs d'aide. Pourtant, nous avons une force. Nous avons de l'énergie. Nous avons étudié. Nous devons mettre nos savoir-faire au service de l'Afrique. La culture est aussi de la partie. Le CDC organise chaque année en Belgique des événements culturels pour un échange interculturel entre le Nord et le Sud. Dîner africain, concerts, festival de la culture africaine. À titre d'exemple, l'un des plus importants fut le festival de 2011 à Coutré.